Bonjour, nous sommes la classe de CM1C et nous avons le plaisir de vous présenter un film qui parle de la différence. Bonjour les élèves. Bonjour Monsieur Lugier. Je viens aujourd'hui pour vous présenter cette charmante demoiselle. Elle s'appelle Chai. Elle vient directement d'un joli pays qui est l'Inde. Elle sera votre nouvelle camarade de classe. Allez, bonne journée les élèves. Bonne journée Monsieur Lugier. Sois la bienvenue Chai dans notre classe. Est-ce que tu peux un peu te présenter aux élèves? Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Oui, bien sûr. Je m'appelle Chai Bacham et j'ai 9 ans. Juste pour te dire, chez nous, Chai, ça veut dire du thé. Un peu de respect, Céléla, s'il te plaît. Va t'asseoir, Chai, à côté de Julie. Il y a de la place. Madame, puis-je changer de place? Pourquoi veux-tu changer de place maintenant? J'ai pas envie de rester à côté de Chai. Et pour quelle raison? Pour quelle raison, Julie? Allez, va à ta place. C'était le tour de la classe de CM1C de jouer au foot. La moitié de la classe se dirige rapidement vers le terrain, la balle à la main. Chai est très contente, elle les suit toute confiante. Les élèves forment deux groupes. Lorsqu'ils remarquent Chai arriver de loin, tout le monde se regarde et se demande ce qu'elle vient faire. Ne me dis pas qu'elle veut jouer avec moi! Non, elle n'a pas le droit! Tu ne peux pas jouer, car tu risques de tomber, Chai. Mais non, je ne tomberai pas, tu vas voir. Non, non et non, tu ne joueras pas avec nous, en tout cas pas dans notre équipe. Ça va pas, elle va jouer avec vous et dans l'équipe A. Reviens, Chai. Bon, allez, viens avec nous, ce n'est pas grave. De toute façon, elle ne va sûrement pas toucher le ballon. Youpi, merci. La prochaine fois, elle jouera dans notre équipe. Non, non, non! Vous ne voulez pas de l'avant? Mais pourquoi vous voulez qu'elle joue avec vous maintenant? Le lendemain matin, le groupe A de la classe CM1C avait art plastique. Tout le monde se dirige vers la salle. La maîtresse demande le silence et explique la consigne. Aujourd'hui, vous allez dessiner un être étrange, extraordinaire. Vous allez utiliser tout votre matériel et employer les techniques que je vous ai apprises jusqu'à maintenant. Allez, vous pouvez commencer.
c'est un crayon. Ça, c'est une gomme. Et ça, c'est un canson. Tu as déjà vu un canson? Tu es très drôle, vraiment très drôle, Selena. Tout le monde se met au travail. Une demi-heure plus tard, les élèves commencent à défiler derrière Shai pour voir sa production. La surprise est que la production de Shai est magnifique. Waouh, c'est vraiment très beau! C'est vrai, je n'ai jamais vu un dessin aussi réussi. Tu peux m'aider s'il te plaît, je n'arrive pas du tout. Quelques jours plus tard, la maîtresse ayant remarqué les mauvais comportements des élèves avec leur camarade Shai, demande à cette dernière de faire une présentation qui présenterait l'Inde, les habitudes des Indiens, les costumes et les plats. Aujourd'hui, Shai nous a préparé une recherche sur son pays. C'est sûrement intéressant, donc je vous demande de l'écouter. Encore elle ? L'Inde. En Inde, ils ne mangent jamais de pain, de fromage ni de vin. Quel est le plat le plus mangé chez toi? Le plat le plus mangé chez moi, c'est le riz. Quelle est la monnaie utilisée en Inde? La monnaie utilisée en Inde, c'est la roupie. Combien de langues officielles y a-t-il en Inde? Il y a 18 langues officielles en Inde. Est-ce que les Indiens aiment la musique et la danse? Oui, bien sûr. Regardez. À la fin de la recherche, les élèves ont complètement changé d'opinion concernant Shai. Ils ont finalement compris que la différence de l'autre peut être une richesse pour nous. Shai, je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit. Je suis aussi désolée pour tout ce que je t'ai fait. C'est pas grave, oublie.